Elisabetta Sirani est une peintre italienne du XVIIe siècle. Elle peint cette huile sur toile à l'âge de 19 ans. C'est à 13 ans qu'elle intègre l'atelier de son père, ne pouvant accéder à une formation académique. Elle va donc se cultiver grâce à la bibliothèque qu'il y a chez elle. Son père, ne pouvant plus exercer son métier, va lui léguer l'atelier à l'âge de 17 ans. Et donc, elle va s'imposer dans ce monde d'hommes par son talent. Grâce à sa renommée, elle va pouvoir intégrer l'académie prestigieuse Saint-Luc à Rome, à l'âge de 22 ans. Cette même année, elle va ouvrir l'école de peinture réservée aux femmes. D'ailleurs, il y a plusieurs peintres qui en sortent et qui sont reconnus de leur vivant, notamment Ginevra Cantofoli. C'est à l'âge de 27 ans que Elisabetta Sirani va s'éteindre d'un ulcère à l'estomac causé par l'arsenic présent dans les pigments de sa peinture.